À 8h16 sur Europe 1, vous recevez Bernard Poirette, Jean-François Copé, ancien ministre du Budget et maire Les Républicains de Meaux. Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Merci d'être à ce micro d'Europe 1 ce samedi matin. Vous êtes maire de Meaux. Est-ce qu'à Meaux, euh, les taxes locales, la taxe d'habitation, la taxe foncière augmentent l'an prochain Absolument pas. Jamais. D'ailleurs, depuis que je suis élu maire, j'ai baissé la taxe d'habitation pendant deux mandats. Et depuis, elle est totalement stabilisée. Idem pour la taxe foncière. J'ai souhaité mettre en place un système dans lequel, à mot, eh ben, on tient bon euh, en n'augmentant pas les impôts. Cela étant, euh, ça vous me... Vous pas, pas se... forcément tenir longtemps, hein, bah, Non mais, bah, écoutez, on va faire le mieux qu'on peut. Mais la seule chose que je puisse vous dire, c'est que ça me rend d'autant plus à l'aise pour vous dire combien je suis mais effaré, effaré. De voir ce gouvernement en train d'étrangler à ce point euh, les communes euh, en France. Et je, je pense que c'est le monde à l'envers. Il faut revenir aux fondamentaux quand il y a une polémique. Euh, ce pays il tient comment Il tient grâce aux maires. Oui. Parce que sur le terrain, c'est nous et aux élus locaux. Euh, oui, absolument. Mais c'est nous. Qui organisons la vie en société. C'est nous qui organisons euh, les écoles, euh, la voirie, la propreté, euh, les espaces verts, les crèches, euh, les sports, les cul la culture, etc. Bon, comment on le fait ça On le fait de, euh, sur, la base, sur la base d'un contrat avec l'État qui nous donne des dotations et euh, des impôts locaux qu'on prélève. Et dans le même temps, l'État, non content de baisser depuis des années les dotations, les subventions, nous dit maintenant, eh ben les impôts, vous allez pouvoir en percevoir de moins en moins, et parce qu'on a fait une promesse électorale sur l'un de vos impôts, pas sur un impôt d'État, sur l'un de vos impôts, oui. la taxe d'habitation. Comment voulez-vous que ça tienne C'est impossible. Moi, ce qui m'inquiète derrière tout ça, c'est que vous savez, au-delà des polémiques politiques, et j'en suis un peu sorti, comme vous le savez, eh il ben, y a la réalité de la noblesse de l'action publique et de la politique. C'est ce qu'on fait sur le terrain. C'est euh, euh, aider euh, ceux de nos concitoyens qui sont dans la plus grave difficulté. Je peux vous dire, en tant que maire de Meaux, que je sais malheureusement vous voyez, voir tous genre. les jours euh, des administrés qui ne s'en sortent plus et qu'on est là pour aider. Bon. Et on le fait. Et on le fait parce que c'est passionnant et ça fait partie de la noblesse de la politique. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte si, non content de voir cet étranglement, en plus on est pointé du doigt mais Et donc, c'est ça qui arrive aujourd'hui. Très clairement, Jean-François Copé, les promesses du pouvoir central disant :« Ok, vous n'aurez plus la taxe d'habitation dans pas longtemps, mais nous allons compenser. » Non, vous n'y croyez pas. pas vous n'allez pas pour, compenser. Pour l'instant, il n'y a pas eu un seul message. Dans ce qui sens est confirmé que ça allait être compensé. Donc c'est normal qu'un certain nombre de maires qui ont pris des engagements et qui bah, sont obligés de tenir tous les ans comme ils peuvent, euh, bah, ils, ont, euh, ils, ont, ils ont appuyé sur le, le, le bouton des deux la hausse d'impôts. Donc euh, ceux qui ont bon, augmenté là, bah, les mais, 6 000. Bah, écoutez, qui ont bah, moi je suis pas là pour oui. juger, chacun fait comme il l'entend. Moi j'essaie de. de comme je pas. sais, beaucoup de mes administrés euh, ont, ont des. Petit revenu, je me dis, et on se l'est dit avec nos amis du conseil municipal, il faut tenir bon et essayer, dans la mesure du possible, de faire des économies. D'ailleurs, pour l'anecdote, on nous a mis un nouveau coup près et on tient même pas compte des villes qui, comme à mot, ont fait déjà des économies ces dernières années. Elles sont traitées de la même manière que les villes les plus dispendieuses. Ce qui montre d'ailleurs que tout ça se fait sans aucun discernement, sans aucune humanité, sans aucune attention aux élus. Il ne faut pas s'étonner de la crise qui fait que les gens veulent plus être maire. Les gens veulent plus faire de politique aujourd'hui. Tout est organisé pour les stigmatiser. Et moi, je suis désolé de voir des hommes de la grande qualité, euh, d'un Gérald Darmanin, d'Édouard Philippe et d'autres, qui, ont été, qui sont, ont été maires, qui connaissent tout ça, emboîter le pas euh, de la stigmatisation des élus locaux, Oubliant ce que c'est que la réalité du mandat de maire. Jean-François Copé, euh, il se trouve que vous, à Maux, vous avez reçu 237 millions de dotations publiques hein, pour rénover des quartiers euh, qui sont délabrés. Euh, c'est un cas d'espèce. Vous souhaiteriez que tout alors, le alors monde. C'est pas ça. 237 millions. Il y a un programme que nous avons voté, que nous avons mis en place ensemble, euh, dans le... qui, qui, qui représente pour les dix années qui viennent 237 millions, qui va nous permettre de rénover les quartiers, mais ce n'est pas que de l'argent public. Là-dedans, il y a une part de la ville elle-même. Oui qui investit qui la main à la poche. Il y a une part de l'enru, la fameuse agence de rénovation urbaine, et puis il y a des prêts, bon, il y a des prêts comme ceux de la Caisse des dépôts, il y a des... mais la vérité, c'est qu'il y a des promoteurs privés qui vont construire aussi. Tout ça, c'est dans le on plan d'investissement. On va détourner des tours, reconstruire. C'est d'ailleurs des résultats formidables. Je regrette que le gouvernement soit aussi absent sur la politique des, des, des banlieues et à dire oh, ça coûte cher, ça marche pas. Ce qui coûte cher, c'est quand on fait rien dans les quartiers, quand on fait, quand on déghettoïse, ça donne des résultats remarquables. Encore une fois, je je peux emporter témoignage à mots, et je peux vous dire que quand on voit ça, et ben, comme par hasard, le Front National, il baisse. Il mmh. fait plus les mêmes scores, parce Mais que tout d'un coup, les gens, y compris les plus modestes, se disent bah, Tiens, on est considérés, on est écoutés, on déghettoïse autour de nous, on met des caméras de sécurité de, de surveillance, euh, 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 on enlève les, les tours en béton, on met des immeubles de quatre étages, on nous donne la possibilité de devenir acquéreurs de notre logement plutôt que d'être simplement dans des logements sociaux. Ça change tout. Ça change tout. Et dites-moi, comment avez-vous apprécié le fait que ce soit euh, le ministère de M. Darmanin, que vous citiez à l'instant, qui a communiqué publiquement la liste des maires qui augmentent la taxe d'habitation de 30% l'an prochain ben, je, je trouve que ça n'a plus rien <laughs> à voir avec le message de la campagne électorale de M. Macron, qui était un beau message, qui était celui de la bienveillance. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On ne peut pas d'un côté vouloir rassembler notre pays dans cette période difficile, dire aux Français on a besoin de chacun d'entre vous, c'est ça qu'on a envie d'entendre, et pointer du doigt les uns ou les autres, surtout que l'État n'a rien de remarquable, Il va... au coup de monsieur Darmanin, et encore une fois ce n'est pas lui, c'est oui, tout le oui, système. Oui. L'État repart à la hausse en matière de dépenses publiques, on repart à la hausse sur les déficits, on atteint 100% de dette publique. Quand j'étais ministre du budget avec mon ami Thierry Breton, nous avions laissé notre pays à 63% de dette, on est à 100%. On était à 2,3% de déficit, on est maintenant, on va redépasser les 3%, on est hors critère de Maastricht à nouveau sur le déficit. Vous comprenez C'est ça qui ne tient pas. Moi, je le dis d'autant plus que j'ai plutôt eu au départ un regard assez. Euh, Positif, parce que l'arrivée de M. Macron, bon, bah, c'était, voilà, un changement d'époque. Et après tout, moi, je veux que la France, on s'en sorte. Bon, donc on n'est pas juste là pour, pour critiquer, pour le plaisir de critiquer. Mais quand vous voyez ça, vous dites, mais, mais quelle inexpérience Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on paye cette inexpérience On sait depuis des années qu'il faut arrêter de tordre le cou aux collectivités locales. On sait depuis des années qu'il faut les accompagner, les aider. C'est là que ça marche. Et on, et on, et on fait tout l'inverse vous qui portez ce message ce matin à ce micro, Jean-François Copé, j'imagine que vous le portez également dans les instances de votre parti, les républicains. Est-ce que vous êtes entendu, notamment dans, par la direction et par M. Vauquier, avec qui vous n'avez pas que des accords, dirons-nous Oh, écoutez, c'est un autre sujet. Ça, vous savez, moi, j'ai n'ai oui, pas, pas envie de polémiquer j'ai vous. Parce qu'il y a, une telle, non, y a mais... une telle dissémination à droite. C'est effarant, enfin, c'est oui, effarant c est, c est le effarant, nombre de oui. gars qui vont tout seuls, chacun avec oui. son programme. Ça vous avez oui. raison, j'ai vu, vu qu'il y avait dix rentrées politiques à droite au bout de oui, septembre. Enfin, ou 12. Bon, écoutez, moi, je, je, je vais vous dire, ça, c'est plutôt, de mon point de vue, de la politique politicienne. Est, on n'est plus à, à, au niveau Mais des en sujets. Une minute, quand même. Non, parce que euh, je, je me suis sorti de tout ça. J'ai exprimé, il y a déjà quelques mois, des désaccords structurels avec la manière dont Laurent Wauquiez gère notre parti, que j'aime profondément. Je l'ai moi-même présidé des années. À l'époque, nous avions atteint 350 000 militants. Euh, en 2014, au moment de la vague bleue des municipales, on est pratiquement à moins de 100 000 aujourd'hui. Donc la situation, elle, est, elle, elle nécessiterait qu'on soit rassemblés. On ne l'est pas, mais peut-être qu'un jour ça se fera. Une dernière question, euh, Laurent, euh, Laurent Wauquiez. Non, 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 Jean-François Copé. En 2010, vous avez porté le projet de loi sur la burqa. Voilà, maintenant c'est une loi de la République. Il se trouve qu'il y a une commission de l'ONU qui envisage d'attaquer cette loi en disant voilà il y a une discrimination liée à la religion. Ça vous ulcère. Pourquoi bon, D'abord, enfin quand j'ai vu ça, d'abord je vais vous dire humblement que j'ai découvert que, savez, que ce comité existait. Je, je ne le savais même pas. En le découvrant, j'ai compris tout de suite qu'il n'avait aucun pouvoir juridique non, non, et que donc en réalité c'est des gens qui de l'autre bout du monde ont envie de, 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 de faire des rapports. Enfin moi, il y a des choses sur lesquelles il faut arrêter de plaisanter. Euh, euh, moi, j'ai mené ce combat pour l'interdiction de la burqa avec le soutien à l'époque de mes amis députés de l'UMP. Je présidais la majorité à l'Assemblée. J'étais à l'époque d'ailleurs effaré de voir que François Hollande avait refusé de la voter. C'est vous dire quand même que de temps en temps, exact. la politique c'est quand même n'importe quoi. Parce que s'il y a bien un sujet sur lequel on aurait dû avoir l'unanimité, c'est celui-là. Et je l'ai fait parce que la burqa, n'est pas la religion. La burqa, c'est en réalité la négation de l'identité, puisque c'est un masque intégral pour des femmes, c'est-à-dire le contraire de ce qu'est la fraternité en France. Vous savez, le premier signe de la fraternité, c'est que quand vous parlez à quelqu'un pour la première fois, vous lui souriez et il répond à votre sourire. Bah, quand quelqu'un a un masque intégral, il ne peut pas répondre à votre sourire. Et derrière ça, c'est la négation de tous les combats qu'on veut mener pour les droits des femmes, pour le vivre ensemble. Moi, j'ai fait une loi pour la parité dans les conseils d'administration. Il n'y avait que 8% de femmes il y a une dizaine d'années. Marie-Josie Merman, on s'est battus. Marche pas mal, ça vous ben, elle vous marche parfaitement, lire. on est maintenant quasiment à parité. Bon, et ben, le, la loi d'interdiction de, de, de la burqa, ça a été fait pour dire stop, chacun peut exercer son culte. C'est ça la laïcité, mais à une condition, c'est de respecter le culte de l'autre et de respecter les lois de la République. Et donc, on a aujourd'hui un consensus. Tous les Français sont d'accord maintenant pour dire... Pas de masque intégral. La République, elle se vit à visage découvert. Donc, il est hors de question de revenir là-dessus, d'autant que le Conseil constitutionnel a validé la loi, que la Cour européenne des droits de l'homme a validé, de la, la, validé la loi. Donc, ça va bien. On ne va pas rouvrir des sujets qui n'ont aucun sens. Il y a d'autres combats à mener. Merci infiniment. En tout cas, Jean-François Copé, merci le à maire Les Républicains, deux mots sur Europe 1 ce samedi matin. Je vous souhaite un excellent week-end, monsieur. Vous Copé. Aussi, merci. merci. à vous. Dans trois minutes, Valérie Darmon, en tenue quasi-estivale, hein, bien sûr, puisque 27 cet après-midi.